Toi aussi, tu penses que le saké est un torboyau venu de Chine? Le saké n'est pas cette boisson que l'on nous sert très souvent dans les restaurants chinois. Vous savez, dans des petits verres coquins. Le baijiu, c'est son nom, est un alcool fort, souvent très mal distillé, qui fait des trous dans l'estomac et fait tomber les dents. En réalité, le saké nous vient du Japon. C'est une boisson fermentée à base de riz. Elle fait environ entre 13 et 17% d'alcool. Sur le plan gustatif, c'est beaucoup plus proche d'un vin que d'un spiritueux. D'ailleurs, on retrouve beaucoup de similitudes avec le vin blanc. Voilà mes petits bouchons, il était temps de rendre au saké ses lettres de noblesse. Moi de mon côté, je garde quand même le verre. Allez, campagne !